me and him are like telepathic, you know what I mean? I know my brother better than anybody else. L'annonce était attendue par les fans du monde entier. 30 ans après la sortie de leur dernier album, le célèbre groupe de rock britannique Oasis annonce sur X se reformer pour une tournée en 2025. Une série de 15 concerts au Royaume-Uni et en Irlande qui débutera le 4 juillet à Cardiff et se terminera le 17 août à Dublin. La rumeur d'une reformation grandissait depuis la diffusion sur les réseaux sociaux par Liam et Noel Gallagher de ce clip de 11 secondes avec la date du 27 août. En 2017 déjà, le plus jeune des frères n'excluait pas l'hypothèse d'une reformation. Il n'y a rien que j'aimerais plus que de parler de la musique d'Oasis, plutôt que d'un album solo de Liam ou de Noel. Je trouve ça ridicule qu'on fasse tous les deux des albums solo, mais c'est comme ça. Lui et moi, on ne s'entend pas, c'est une personne différente de moi et c'est comme ça. Alors peut-être qu'un jour, quand on redeviendra frère, je suppose que la prochaine étape, la chose naturelle, serait de faire de la musique. Je ne m'y oppose pas. La brouille entre les deux frères ennemis de la pop britannique a été actée à l'été 2009, après une altercation au festival parisien Rock en Seine. Mais durant toute leur carrière commune, les deux musiciens n'ont cessé leur bataille d'ego et les échanges d'amabilité par médias interposés. C'est très inattendu. J'imagine que je devrais remercier Liam d'avoir chanté toutes ces super chansons, mais il n'est pas là. Qu'il aille se faire voir, c'est moi qui ai tout fait. D'après le site officiel du groupe, des préparations sont en cours en coulisses pour prolonger la tournée à travers le monde l'année prochaine.